Alors, c'est parti pour monter le puits Marie. Les marches, elles sont bien. Ça va pas être ça le plus dur, quoique ça grimpe. Une belle grimpette quand même, un petit zozio. On a des cotes à 22%. Belle petite marche en béton, ouais, c'est top, bien aménagé. Heureusement qu'on n'est pas en pleine saison. Je pensais que ça filmait pas, mais il y a deux écrans. On est à l'ombre là maintenant. Ouh, sacrée marche. Il y a des demi-marches. Ouais, 27%.
Alors, je peux vous dire que ça grimpe avec des belles petites côtes à 34%. Bon, après, la montée n'est pas... Ah oui, j'avais noté, c'était 200 mètres de dénivelé en 800 mètres. C'est dur quand même. Ah, il y a le cardio qui monte. Oh oh oh, regarde-moi ça, ce mur. Alors voilà notre superbe côte. Les passages à 25 et 34%. Enfin, un moment où j'ai regardé ma montre. Hop. Attends, non, les puits, les lancettes, c'est là-bas. Non, je crois que c'est un peu plus au fond là-bas. Hop, regardez-moi ça. Ah, des marches en bois. Bon, à mon avis, on est quasi arrivé. Une belle vue, hein. Là, c'est notre route, col du Pérol. Ah, c'est top. C'est cool, hein. Alors là, on a un peu le soleil dans les yeux, enfin derrière moi. Le soleil, il tape bien, hein. C'est qu'on est au Puy-Marie. Ouais. Ah, ça, c'est pour s'abriter du vent. Thank you.
Attends, mais elle c'est super bien. Ah, c'est non, c'est Père Ars. Ou c'est Chavaroche. Je sais pas lequel c'est. Ah, là, c'est le puits Griou, là. Griou et Griounou. Griou et Griounou sont dans un bateau. Tour hein. Parce que bon, je viens pas ici tous les jours hein. Ouais, même des, c'est GR, c'est pas GR 400. Ouais, la batterie elle se décharge vite, je peux te dire. Et le soleil il tape super bien. On est au bon moment. Bon après il sera plus haut aussi, c'est le bon moment. Ah, c'est cool. Hein. Hop, Puissancy en face. Saint-Étienne et Lyon à droite, à l'est, Marseille juste derrière, juste derrière moi, hop, puis de la poche sur ma gauche, Toulouse, Bordeaux tout droit, Limoges en face et le Puy Violent en face. Ouais, 1787, ouais. Ah, que c'est super beau. Ah, il y a un peu d'ombre, mais. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Ouais, c'est top. Hein. Le Puy Griou. Wop, wop, attention. Ouais, ben, je suis content d'avoir fait ça parce que c'est vraiment super beau. Hop, et puis bon, tôt le matin et hors saison, il y a un peu moins de monde. Top, 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 top. Allez, go pour le Puy Perse. Perse. Ouais, hop, il y a des sacrées marches là. Donc, c'est magnifique. Ah bon, on descend vite, hein. Ouais, c'est plus facile de filmer avec la caméra dans les mains, avec un meilleur stabilisateur. Là, on voyait même plus derrière, tellement ça descendait. À des marches ici. Faire attention quand même. C'est saillant. Ouais, on prend son temps et puis ça va. Je veux dire, hop, il y en a des super paysages en face. Hop, petit piquet. Ouais, c'est bien ça, les petits piquets pour se tenir. Hop, la corde aussi, c'est cool. Hop, ouais, c'est bon. C'est surtout pour éviter d'aller sur la gauche et de laisser la végétation repousser. Ah ouais, c'est top. Sacrée descente, mon cher Jean-Pierre. Hop. Ça va, ça glisse pas. Hop. Délicate. Puis Griou.
commence à prendre le soleil. Hop, on en termine avec la partie un peu chiante. Hop. Attention, parce qu'il y a quand même encore quelques caillasses. Et il est où le chemin là? Non, il est là. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah, parce qu'on le voyait pas, il y avait des gros blocs rocheux là. Bon, ouais, c'est plus la pente, elle est plus faible. Là. Hop, et de derrière, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, quand même. Ah ouais, mon capitaine. C'est la lésion ici. Regarde, on voit même plus la table. Ah si, la table d'orientation, là, elle est sur la... On la voit pas, mais il y a les barrières. Ah ouais, non mais attends. Bon, ben... C'est parti. Ça va. Travaux de restauration du puits Marie. Ah, le monsieur, je le vois plus. Alors, on vient un peu plus derrière, là, ce petit bloc rocheux. Okay. Faut juste mettre les mains, mais bon, c'est loin d'être compliqué. On aura un petit coup, le paysage arrière. Les travaux de restauration, je ne sais plus si j'ai dit. Ça s'abîme. Regardez ça. Ah ouais, regardez. Le chemin il s'efface vite. Regarde-moi. C'est super beau, hein. Ouais, et puis là-bas, ici, c'est impossible de zoomer, de toute façon il y aura trop de brume. C'est le puits de Sancy. Effectivement, ça ressemble. Ah, regardez-moi ça. Ouais, sacrée descente quand même, hein, toi. Oh là 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 là, regarde-moi ça, toi. La plus méchante, c'est la partie du haut. Après, ça se calme tout doucement. Après le gros bloc rocheux, là. Ah, regarde-moi ça, c'est une belle petite route. Super beau.
Alors demain, j'avais prévu le puits de Chavaroche, mais bon, je sais pas trop. Hein, là-bas, on dirait une maison. Oui, non, c'est parce que en fait, ici, ça remonte. Oh, bon, rien de bien méchant, mais... Hop. Direction la brèche de Roland.